Bonjour à tous, et donc aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur un petit tuto qui va vous permettre d'effacer complètement, de remettre votre iPhone à zéro, car bientôt la keynote, ils vont nous présenter l'iPhone 7, et pour certains qui auraient envie de faire l'achat de ce nouveau joujou, car tout cela est accessible même en tant que déficient visuel, au réglage et à la suppression totale de notre iPhone pour le remettre dans sa petite boîte et le revendre sans problème. Donc cette vidéo a pour but de vous montrer l'effacement total de votre iPhone, car attention, avant toutes ces manipulations, je préconise quand même de toujours faire une sauvegarde. Sauvegarder, c'est très important avant de faire quoi que ce soit comme manipulation, car si vous sauvegardez, vous aurez la possibilité de récupérer vos données, vos photos, vos mails, vos messages, vos contacts. Faites toujours une sauvegarde au préalable pour pouvoir, au cas où. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les manipulations à exécuter pour supprimer totalement votre iPhone, la mémoire interne de votre iPhone, et pour qu'il soit revenu à l'état initial. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et à vous abonner. Merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une vidéo un peu spécifique, car comme tout le monde le sait, bientôt on va avoir la présentation du nouvel iPhone. Donc peut-être que certains auront envie de vendre le leur pour acheter le nouvel iPhone. Donc aujourd'hui la vidéo va concerner comment effacer l'intégralité de votre iPhone, toute trace de ce que vous auriez pu faire dessus, pour pouvoir le remettre dans sa petite boîte et aller le vendre et vous acheter peut-être le nouveau joujou. Alors, ce qu'on va faire, ça va être très simple. Il va falloir se rendre dans Réglages. Une fois dans Réglages, on le valide. Réglages. On va aller dans Général. Centre de contrôle, pas dérange. Général. Bouton. Général. Réglages. Bouton de retour. Une fois dans Général, on va aller tout en bas. Réinitialiser. Bouton. Réinitialiser. Sélectionner. Réinitialiser tous les réglages. Bouton. Effacer contenu et réglages. C'est ce qui va nous importer. Là, attention. Si vous faites cette manipulation, vous allez supprimer l'intégralité de vos données et vous allez vous retrouver avec un iPhone comme si vous venez de l'acheter dans un Apple Store. Cette manipulation, si vous la faites, vous allez rendre votre iPhone comme au premier jour. Ça veut dire que vous allez pouvoir le vendre et la personne qui va vous l'acheter n'aura aucune possibilité de retrouver quoi que ce soit de votre vie antérieure sur cet appareil. Donc ici, on va valider. Code 0, valeur saisie sur 6. Ici, d'entrée, il va nous demander plusieurs choses parce que on va pas supprimer comme ça notre iPhone d'un seul double tap. Il faut entrer notre code d'autorisation, ce que je vais faire tout de suite. Avertissement, toutes les données seront effacées et tous les réglages seront réinitialisés. On arrive sur une seconde fenêtre comme celle-ci, où il nous prévient, attention. Effacer l'iPhone, toutes les données seront effacées et tous les réglages seront réinitialisés. Effacer l'iPhone, bouton. Effacer l'iPhone, avertissement. Voulez-vous vraiment continuer? Tout votre contenu, vos données et vos réglages seront supprimés. Cette action est irréversible. Ici, si je fais effacer l'iPhone, bouton. Effacer l'iPhone, il va me l'effacer. Plus aucune trace. Je vais pouvoir le vendre et aller m'acheter le prochain iPhone. Ce qui va certainement être le cas. Et lorsque j'aurai le prochain iPhone, je vous ferai donc une vidéo de déballage et de présentation. Je vais le valider. Effacer l'iPhone. Sécurité. Avertissement. Sécurisé. Champ de texte. Modification en cours. Mode caractère. La dernière. Autorisation au début. Mot de passe de l'identifiant Apple. La dernière validation. Ici, si je rentre mon mot de passe, l'iPhone partira en pleine réinitialisation et vous aurez un iPhone avec un système d'exploitation au tout début et à paramétrer. Voilà. Cette vidéo donc est terminée. J'espère que elle vous aura plu et qu'elle vous aura montré comment effacer l'intégralité de son iPhone, le système d'exploitation iOS complètement effacé
de vos données. Vous pouvez revendre votre iPhone sans aucun problème. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis donc à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et surtout à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Salut !